Glass Onion, qui est Janelle Monáe, révélation du nouveau carton Netflix. Ceux qui avaient regardé avec gourmandise à couteau tiré, l'excellent thriller choral mettant en scène Daniel Craig dans le rôle du détective Benoît Blanc, attendaient avec une certaine impatience le deuxième volet des « Mais, aventures du fin limier ». C'est désormais chose faite. Le 23 décembre, comme un cadeau de Noël un brin en avance. La plateforme Netflix a dévoilé Glass Onion, son nouveau joyau. Dans un prologue éblouissant. On découvre plusieurs amis qui se retrouvent, par téléphone interposé, entre leurs mains. De mystérieux coffrets provenant de leur ami Miles. Après de multiples manipulations savantes et bluffantes. Un ticket d'or apparaît les conviant pour un week-end sur son île privée. Ils auront la charge. Est-il annoncé d'entrée de jeu, de trouver le meurtrier de Miles. En parallèle. Deux autres personnages sont invités sur l'île pour cette murdée partie, autant le dire tout de suite. Rien ne va se passer comme prévu, évidemment. Comme à couteau tiré, Glass Onion bénéficie d'un casting 5 étoiles. Catherine Han, Kate Hudson, Ethan Hawke, Daniel Craig, Dave Bautista, Leslie Odom Jr. et Edward Norton. Mettent leurs talents au service d'une intrigue diaboliquement construite et de dialogues écrits au rasoir. Mais la véritable révélation du film, c'est Janelle Monáe qui crève littéralement l'écran dans le rôle de Cassandra Brand. L'invitée que personne ne voulait voir débarquer. Mais qui est donc l'actrice? Née Janelle Robinson le 1er décembre 1985 à Kansas City, elle se passionne pour la musique et la comédie grâce au film Le Magicien d'Oz qui lui donne l'envie de devenir chanteuse. Et c'est finalement vers la musique qu'elle se tourne et s'installe à Atlanta où elle monte sa propre compagnie. Société Arouan Dallan, avec Big Bois du groupe Cast. Remarquée par ses en coma. K.A.P. Didi elle signe avec le label B.A.D. Boy en 2006. Après le succès de Metropolis en 2007. Elle voit sa notoriété exploser avec son tout premier album studio, De Argent Droit. En 2010. En 2013 son album, De Electric Lady, lui ouvre les portes de la Maison Blanche où elle sera invitée à chanter. En parallèle ses ambitions cinématographiques se rappellent à elle l'année suivante. Elle joue ainsi dans deux des cartons de 2017 Moonlight, récompensé par l'Oscar du meilleur film, et Les Figures de l'Ombre. Dans ce dernier, elle est Meryl Jackson, l'une des mathématiciennes noires ayant contribué à la conquête spatiale de la NASA. Ce rôle lui offre les Spotlight Awards du Festival du film d'Hollywood. Avec Glass Onion. Le nom de la chanteuse et actrice est désormais sur toutes les lèvres. Et ce n'est à n'en pas douter, qu'un début.